Mais qu'est-ce qu'une plante ? Un être vivant qui vit les racines en terre, les feuilles dans l'atmosphère, un drôle d'organisme qui, s'il passe souvent inaperçu, est riche en surprises et plein de mystères. Certains irréductibles scientifiques dédient leur vie à l'étude de ces créatures insolites pour mieux comprendre comment elles fonctionnent. Ce soir, un épisode de Biologie Végétale avec Guillaume Lobet. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021, vous êtes dans l'épisode 451 de Podcast Science, bienvenue. Nous avons une plutôt grande table virtuelle puisque nous avons Alexa parmi nous depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Nous avons Pascal depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Irène est au rendez-vous aussi depuis la Corse. Bonsoir tout le monde. Notre invité Guillaume Lobet nous fait l'honneur d'être présent depuis la Belgique. Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est moi, Eléa, qui ferai maîtresse de cérémonie pour cet épisode. Alors, on va commencer l'émission sans plus attendre. Bonjour Guillaume, et merci d'avoir accepté d'être présent pour cette interview virtuelle à distance. Alors, comment tu t'es retrouvé dans ce podcast ce soir ? Je t'ai rencontré entre guillemets, avec tous les guillemets possibles, sur Twitter, puisque tu parlais un moment de plantes sur ce média, fut un temps. Et comme les poditeurs et poditrices qui écoutent Podcast Science le savent, je suis un peu monomaniaque sur les sujets que j'aborde dans le podcast. Donc je me suis dit que ce serait encore une formidable occasion de parler de plantes. Et donc voilà, tu es là ce soir, merci. Est-ce que tu peux déjà, pour nos auditeurs, en quelques mots, te présenter et quel parcours as-tu derrière toi et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben oui, tout d'abord, merci de m'avoir, c'est très gai. Donc je m'appelle Guillaume, je suis en Belgique et plus précisément, je travaille à Louvain-la-Neuve, donc une petite ville en Wallonie, donc la partie de la Belgique où on parle français. J'ai fait des études de bio-ingénieur. Et donc, ce qui correspond, je pense, en France, à l'école, la haute école d'agronomie, plus ou moins, avec une spécialisation dans les plantes. Alors, au départ, je comptais pas du tout me lancer dans la recherche, pas du tout faire une thèse. En fait, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure de mon travail de fin d'études. Et puis, je me suis lancé dans une thèse en me disant qu'après la thèse, j'allais sans doute arrêter la science. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu la chance, en fait, de rester dans le domaine et de trouver des financements l'un après l'autre. J'étais, disons, au bon endroit, au bon moment. Et donc là, maintenant, ça fait 4 ans que je suis donc chargé de cours donc à l'UC Louvain, à Louvain-la-Neuve, en faculté des bio-ingénieurs, où je donne surtout des cours sur les plantes, forcément. Et je suis aussi chercheur dans un centre de recherche en Allemagne, le Forschungszentrum Jülich, où la majeure partie de ma recherche est faite. C'est pas très loin de là où j'habite parce que c'est vraiment à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Et quand on est en Belgique, à n'importe quel endroit de la Belgique, si on va dans n'importe quelle direction, on roule pendant 2 heures, on est de toute façon sorti de la Belgique. Donc, c'est pas bien. Voilà. Ah, c'est quand même pratique. J'allais te poser la question. C'est pas trop compliqué de naviguer entre tes enseignements en Belgique et ta recherche en Allemagne, mais du coup, pas tant que ça. Non, ça va. C'est faisable. Ok. Et sur la partie enseignement, c'est vrai qu'on n'en a pas trop discuté en amont, mais est-ce que c'est un truc que tu avais prévu de faire en amont de devenir maître de conf, ou est-ce que c'est un truc qui t'est venu plus tard aussi, l'enseignement C'est pas un truc que j'avais prévu de faire, c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu fait, en donnant des formations ou des choses comme ça aux autres scientifiques de l'Institut, par exemple. C'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé faire, et donc c'est vrai que quand on m'a proposé d'être, quand j'ai eu l'opportunité d'être chargé de cours, c'est quelque chose dans lequel c'est quelque chose à quoi j'ai tout de suite dit oui, et c'est quelque chose qui me plaît énormément en fait. Je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Le contact avec les étudiantes et les étudiants, c'est vraiment très très gratifiant. Et voilà.
Du coup, tu fais pas mal de choses qui vont dans ce sens, on en reparlera un peu plus tard, mais puisqu'on est sur Podcast Science, parlons un peu de la science et de ce que tu fais au quotidien. Alors, quand on parle d'une plante, il y a beaucoup de choses à étudier, hein, contrairement à ce qu'on pense de l'extérieur. Et on en avait un peu parlé par mail en amont de l'émission. Toi, tu te définis comme botaniste, donc quelqu'un qui étudie les plantes. Alors, on a parlé un peu du distinguo entre être botaniste et être biologiste végétal. Donc, c'est assez intéressant. On peut en reparler si tu veux. Mais est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton sujet de recherche et de ce que tu fais? Oui. Oui. Donc, moi, dans botaniste, je mets tous les gens qui sont qui travaillent avec les plantes. Je mets tous dans le terme botaniste. Voilà. J'essaie d'être inclusif de ce côté-là. Et donc, du coup, je me définis comme botaniste, alors que sans doute, peut-être, je n'en suis peut-être pas vraiment un, parce qu'en fait, je travaille avec des plantes, essentiellement les racines, donc ça, c'est vraiment mon sujet de prédilection. La manière dont les racines prélèvent l'eau dans le sol, donc mon sujet d'étude, c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une racine va être plus apte à prélever de l'eau dans une situation de sécheresse, par exemple. Mais l'approche qu'on a est particulière, qui est une approche... très informatique, où en fait on crée des modèles informatiques de plantes, on crée des modèles où on va avoir la plante qui va pousser en 3D, donc vraiment un peu comme sur un jeu ordinateur si vous voulez, et puis on va utiliser ces modèles pour poser des questions plus complexes et essayer de comprendre les systèmes complexes que sont les interactions entre les racines et le sol, par exemple. Donc c'est vraiment un côté qui est plus assez fort quantitatif, et avec un côté donc informatique qui est assez assez poussé. Voilà, ça c'est en très résumé ce qu'on fait. Du coup, ton quotidien de chercheur s'articule plutôt autour de modélisation informatique plutôt que de la paillasse en laboratoire. Voilà, je crois que j'ai la grande fierté de pouvoir dire que j'ai fait une PCR dans ma vie. Et si je me souviens bien, elle était ratée. Donc voilà. Donc j'ai fait pousser des plantes. Donc j'aime quand même bien faire pousser les plantes, notamment parce que qu'à partir du moment où on travaille avec les racines, en fait, ça pose toute une série de défis, notamment simplement de pouvoir les observer comme elles poussent dans le sol. Donc on doit trouver des stratégies qui nous permettent de pouvoir les observer, pouvoir les quantifier, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai quand même fait plus par le passé. Maintenant, c'est moins le cas, mais c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, l'essentielle partie de ce que je fais, c'est du travail sur ordinateur et vraiment sur de l'analyse et de la conceptualisation, quelque part, de la manière dont fonctionne les plantes. Alors, je précise quand même le point jargon, puisque tu as utilisé le terme PCR. Donc, pour les auditeurs qui ne nous suivent pas depuis longtemps, PCR, c'est juste un petit acronyme qui désigne une expérience qu'on fait très, très souvent quand on fait de la recherche en biologie, qui désigne polymérase chain reaction en anglais, et ça permet d'amplifier un fragment d'ADN pour qu'on puisse le voir, l'utiliser, le décrypter quand on est biologiste. Voilà, juste pour la petite parenthèse. C'est d'ailleurs ce qu'on vous fait pour les tests Covid. Ça nous permet aussi de détecter en fait la présence d'un ADN ou ARN quelconque d'ailleurs dans un milieu. Et quand vous faites des tests PCR Covid, c'est exactement ça qu'on vous fait. Exactement. Remettons dans le contexte. Mais d'ailleurs, si tu veux en faire un réussi, nous on en fait à peu près 1000 par jour, donc tu peux venir. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Et oui, et Irène nous a promis avant l'émission de nous faire un épisode sur le test PCR Covid. Ah merde, j'ai promis. Bon d'accord, ok. Désolée Irène. C'est bon. Enfin, voilà. Donc, oui, toi, tu travailles plus, pas à la paillasse, tu fais pas de PCR, plus sur informatique. J'avais une question justement sur cet aspect-là. Est-ce que l'informatique, c'est un truc que tu as appris plus tard dans ta thèse, ou est-ce que c'est déjà quelque chose dont tu avais eu des cours auparavant et... Voilà. Ça, c'est quelque chose pour lequel on avait eu des cours relativement basiques lors de la formation. Donc, simplement apprendre à faire du code de base. C'est quelque chose pour lequel j'avais une affinité, sinon je me serais pas lancé dedans comme ça. Et donc j'ai plutôt appris sur le tas et en fonction des besoins qui se présentaient. J'ai pas eu de formation vraiment stricte là-dessus, ce qui fait que sans doute le code que j'écris est la plupart du temps tout à fait affreux et pourrait être écrit sans doute bien mieux que ce que je fais, mais tant que ça marche, moi, c'est tout ce que je veux.
Ok, donc si je résume côté recherche, tu t'intéresses surtout à la façon dont les racines se structurent, s'organisent selon les signaux extérieurs et comment elles font pour absorber l'eau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment essayer de comprendre ce système sol, interaction entre le sol et la plante avec le, en étant du côté plante plutôt que du côté sol. Ok, bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer globalement comment ça fonctionne une racine et à quoi ça sert pour une plante? Tout à fait. Donc, la racine, c'est la chose qu'on ne voit pas. Hein. Donc, ce qu'on voit généralement dans la plante, c'est la tige. Donc, ce sont les choses vertes hein, qu'on voit un petit peu partout autour de nous, les feuilles, les arbres, etc. Les racines, c'est vraiment ce qui va permettre à la plante plusieurs choses. Donc, d'abord de s'ancrer dans le sol. Donc, c'est ce qui va lui permettre de tenir simplement dans son substrat. Il faut vraiment penser que les systèmes racinaires, c'est un système qui est extrêmement ramifié. On commence avec une petite racine qui va sortir de la graine, et puis cette racine va en produire d'autres, qui vont en produire d'autres, qui vont en produire d'autres. On arrive très rapidement, avec des plantes de taille raisonnable, à des centaines de mètres cumulés de racines qui sont vraiment disposées dans les entre les différentes particules de sol. Et donc ça crée une force structurelle très importante qui va simplement permettre à la plante de tenir dans le sol. Pensez à un arbre, hein. Un arbre peut être extrêmement grand, avec en plus une prise au vent qui est extrêmement importante, avec toutes les feuilles, avec tous les branchages, etc. Et pourtant, les arbres ne tombent pas au moindre coup de vent, c'est parce que les racines sont vraiment bien, accrochent vraiment bien la plante dans le sol. Donc ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle extrêmement important, c'est tout ce qui est prélèvement d'eau et de nutriments dans le sol. Donc une plante, elle a besoin de plusieurs choses pour survivre. Elle va faire la photosynthèse pour fixer le CO2, produire des sucres qui vont lui servir d'énergie. Mais elle a aussi besoin d'eau, d'une part parce qu'elle transpire, et d'autre part aussi simplement pour grandir. Elle produit des nouveaux organes. Ces organes sont, comme nous, composés en majeure partie d'eau, et donc elle a besoin de cette eau pour grandir au fur et à mesure. En plus de ça, la plante va prélever dans le sol toute une série de minéraux et de nutriments qui sont indispensables à sa croissance. Et donc, un des aspects que nous, qu'on va étudier, c'est de savoir quelle va être l'organisation racinaire, quelle va être la structure racinaire qui va être la plus adaptée pour prélever de l'eau dans des environnements qui sont particuliers, avec une attention plus particulière sur tout ce qui est plantes de grande culture, parce que c'est voilà, on est dans une fac avec un aspect agronomique assez assez important, et donc c'est d'essayer de comprendre finalement est-ce qu'on peut développer des stratégies d'amélioration par exemple au niveau racinaire qui vont faire que les plantes vont être mieux adaptées à des climats dans lesquels l'apport en eau ou l'apport en nutriments va être plus compliqué. Voilà. Ok. Alors, une question que peut-être les auditeurs se posent aussi. La racine, concrètement, comment est-ce qu'elle fait pour absorber cette eau? Est-ce que c'est un phénomène plutôt mécanique? Est-ce qu'elles aspirent? Enfin, ça fonctionne comment? Alors, c'est complètement mécanique. C'est un phénomène physique. Donc, l'aspiration de l'eau par les racines commence en fait au niveau des feuilles. Au niveau des feuilles, on va avoir des pores qui vont s'ouvrir. Ces pores, on les appelle les stomates. Et ces pores vont s'ouvrir pour une raison, pour faire rentrer en fait le CO2 dans la feuille. Le CO2 va rentrer et la plante va pouvoir faire la photosynthèse, produire du sucre, relâcher de l'oxygène. Donc c'est ce qui fait que les plantes sont si importantes et sont tout à fait indispensables à la vie sur Terre. Elles produisent de l'énergie et elles relâchent de l'oxygène dans notre atmosphère. C'est crucial. Il se fait que, au moment où ces pores vont s'ouvrir au niveau des feuilles, l'atmosphère, qui est beaucoup plus sec que l'intérieur de la feuille, va aspirer l'eau en dehors de la feuille. Donc l'eau, qui se trouve dans la feuille, qui est un milieu humide, va simplement s'évaporer au travers de ces stomates qui sont ouverts. L'eau s'évapore, et ça va créer un phénomène d'aspiration, parce que au niveau des feuilles, la plante a des vaisseaux qui vont être continus entre les feuilles, les tiges et les racines, donc comme une grande paille, si vous voulez, qui va traverser en fait toute la plante. Et donc cette aspiration au niveau des feuilles va être répercutée au niveau de la tige, au niveau des racines et puis au niveau
du sol. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la meilleure image, la meilleure analogie, c'est vraiment cette analogie de paille. On tire avec une paille au niveau des feuilles et ça va tirer l'eau qui va être aspirée alors au niveau des racines. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, 90% de l'eau qui va être prélevée par une plante va en fait être transpirée. Et donc ne va faire simplement que rentrer dans la plante, être transportée au travers des vaisseaux et puis transpirée dans l'atmosphère. Vous pouvez penser aux plantes en pot que vous avez chez vous. Les plantes en pot, vous les arrosez tous les jours, tous les deux jours en fonction de la plante. C'est pas pour ça que la plante est le double de volume tous les jours ou tous les deux jours. Cette plante, en fait, elle a juste prélevé l'eau dans le sol, l'eau est ressortie dans l'atmosphère et n'a en fait pas été utilisée d'un point de vue structurel, donc n'a pas été utilisée pour créer des nouveaux tissus au niveau de la plante. Et donc c'est un phénomène tout à fait physique, ce qui est tout à fait pratique pour nous, parce que du coup on peut définir des équations qui vont nous permettre en fait de modéliser ce flux d'eau et de l'inclure alors dans des modèles informatiques qui nous permettent alors de modéliser le flux d'eau dans toute la plante. Est-ce que tu sais s'il y a aussi des phénomènes de ce qu'on appelle la capillarité, c'est-à-dire que tu trempes un papier buvard avec des fibres très fines, tout ça, est-ce qu'il y a aussi un phénomène d'eau qui remonte par juste absorption dans le papier, entre guillemets? Oui, donc il peut y avoir effectivement en partie ce type de phénomène-là, de phénomène de capillarité. On peut aussi avoir des phénomènes d'osmose. Donc par exemple, au lieu d'avoir une tension vraiment au niveau des feuilles, on peut avoir au niveau de la racine une accumulation de solutés, donc de composés qui vont être dissous dans les vaisseaux, qui va faire que l'eau va alors rentrer du sol vers la racine, simplement parce qu'il y a une différence là de solutés dans un compartiment par rapport à l'autre. Mais en termes de ces deux processus-là, en termes de volume de transport, en termes de volume de transpiration, sont relativement négligeables par rapport au flux transpiratoire qui est entraîné via cette évaporation au niveau des stomates. Ok, c'est très clair. Et j'ai lu quelque part que les plus grands arbres du monde, là, les séquoias géants, tout ça, qui atteignent 100 mètres et quelques, en fait, c'était probablement la taille maximale qu'un arbre puisse atteindre, parce que sinon, la colonne d'eau dans l'arbre, en fait, commence à devenir trop lourde. Il y a trop d'effets de gravité, et du coup, l'évaporation peut pas se faire plus haut. Est-ce que c'est vrai, du coup? Oui, tout à fait. Donc il y a des limites physiques et donc ce que tu viens de dire est tout à fait correct. Si on tire trop sur une colonne d'eau, s'il y a trop de tension dans cette colonne d'eau, ce qui risque d'y avoir au sein de la plante, c'est ce qu'on appelle de la cavitation. C'est l'équivalent d'une embolie en fait, où on va avoir des bulles d'air qui vont se former, qui vont bloquer les vaisseaux et donc qui risquent de tuer la plante simplement parce qu'en fait on va avoir formation de ces bulles d'air un petit peu partout dans les vaisseaux. Et il y a effectivement donc une limite physique. Si on essaie de tirer de plus en plus haut, en fait, plus on est haut, plus il faut tirer fort sur la colonne d'eau pour qu'elle monte. Alors la plante s'adapte de ce point de vue-là en adaptant en fait la taille de ses vaisseaux. Et donc en faisant quelque part jouer l'aspect capillarité de plus en plus, parce que les vaisseaux plus petits vont avoir moins de chances de se caviter, on pourra tirer plus fort dessus. Et donc il y a une adaptation là de la plante au niveau d'un point de vue structurel, de nouveau, au niveau de la taille des vaisseaux, mais il y a quand même toujours une limite. Maintenant, quand on arrive à 125 mètres de haut pour un arbre, c'est quand même pas mal. Ça paraît raisonnable de dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus haut. On est déjà, de toute façon, beaucoup plus haut que tous les voisins. Moi, oui, c'est sûr qu'en termes de... Ouais. J'avais une question, du coup. Si, je sais que dans la Station Spatiale Internationale, on fait beaucoup de développement des plantes aussi maintenant. Je me demandais, vu que la gravité semble jouer un rôle, est-ce que ce genre de choses, est-ce que tu sais si c'est modifié lorsqu'on a le développement des plantes en microgravité ou pas? Alors, je dirais, alors à moins qu'ils ne fassent pousser des séquoias de 125 mètres de haut dans la Station Spatiale, ce dont je doute, ouais, je pense qu'on est plutôt sur la plante typique de laboratoire qui est Arabidopsis ou même des plantes comme des laitues ou des choses comme ça. Mm. On est sur peut-être quelques centimètres, peut-être quelques dizaines de centimètres maximum en termes de taille. En général,
on considère là que la gravité, en tout cas dans ce processus-là, ne va pas être très très importante pour des plantes de cette taille-là. Ça va jouer forcément, hein, donc c'est vraiment une composante importante, mais quand on est sur des petites plantes, ça l'est forcément beaucoup moins. Ok, très clair. Moi, j'aime bien les perspectives historiques. Alors, je ne sais pas si tu l'enseignes dans tes cours, mais est-ce que tu sais à partir de quand les gens ont commencé à comprendre que c'était grâce aux racines que les plantes absorbaient l'eau et que c'était important de le faire? Voilà, alors, je ne le savais pas du tout, mais du coup, j'ai regardé. maintenant, je le sais. Alors, apparemment, les premiers ouvrages qui mentionnent les racines, c'est Aristote. Donc là, on est 400 avant notre ère. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas très bien compris ce que c'était. Donc, ils pensaient vraiment que la plante se nourrissait de la substance du sol, et c'était tout provenait de la substance du sol, sans forcément être très au courant de ce que c'était. Donc, pendant très longtemps, ça a vraiment été ça la croyance principale. Et donc, toutes les histoires de photosynthèse, tout ça, c'était pas du tout connu à ce moment-là. La première personne apparemment qui a vraiment commencé à comprendre le rôle des racines dans le prélèvement de l'eau, c'est un chimiste en fait, c'est Van Helmont, donc c'est au XVIe siècle, qui lui a fait les premières expériences à ce niveau-là et a quantifié alors vraiment le prélèvement d'eau par les racines. Donc c'est pas si vieux que ça finalement. Ah, il me semble que l'expérience était rigolote aussi, dans le sens où il avait pesé la terre avec et sans eau, et il s'était rendu compte que toute l'eau ne passait pas dans la plante. Enfin, il avait trouvé un système ingénieux avec des palans pour peser son arbre, là. Enfin, tout à l'expérience, ça avait l'air assez rigolo. Donc oui, à partir du XVIe siècle seulement, on a commencé à comprendre que les plantes avaient besoin d'eau, et je crois même qu'on a commencé à comprendre pas mal de choses, genre elles ont besoin de lumière, parce que j'ai vu des plantes jardin botanique où ils essayaient de faire des serres pour faire pousser des plantes, et ils n'avaient pas encore compris l'intérêt de la lumière, en fait, pour faire pousser des plantes, et du coup c'était des serres où il n'y avait pas de fenêtres, quasiment, et ils se sont rendus compte que ça marchait pas trop, et c'était à peu près à la même période, il me semble, donc... grosse réalisation vers le XVIe siècle. Oui, tout à fait. Oui, mais après, maintenant, on n'est toujours pas dans la communauté, par exemple, des racines au niveau des plantes, on n'est toujours pas d'accord de dire qu'est-ce que c'est un système racinaire le plus efficace, par exemple. Donc, on en est toujours à discuter des choses qui peuvent peut-être sembler relativement basiques, mais de savoir quels sont les facteurs qui vont plus influencer la prise d'eau, par exemple, au niveau racinaire, ce sont des choses qui sont toujours en discussion, qui sont toujours assez mou. De nouveau, hein, les racines, elles sont assez embêtantes, hein, elles poussent dans le sol, donc c'est un peu compliqué. Alors, du coup, si on se remet maintenant au 21e siècle, pour les gens qui étudient les racines, justement, c'est quoi les grosses questions du moment et les grosses découvertes récentes? Parce qu'on voit passer pas mal d'articles de blog de temps en temps sur les bouts de racines sont le cerveau de la plante, ce genre de gros titres comme ça. C'est quoi les grandes tendances d'études en développement racinaire? Les grandes tendances, ça part un petit peu dans tous les sens, hein, donc c'est vraiment essayer de... Essayer de comprendre comment les racines vont gérer leur développement, gérer leur croissance en fonction des conditions du sol. Donc, comment est-ce que les racines vont réagir par rapport à des différences de teneur en eau, des différences de nutriments, par exemple, des différences de compaction. Ça, il y a un article tout à fait sympa qui est sorti très récemment, je pense il y a un mois ou deux dans Science, si je me trompe pas, qui étudiait justement l'étude de la croissance des racines dans des sols qui étaient compactés, donc des sols qui sont en fait beaucoup plus durs. Et donc instinctivement, on s'est dit les racines, elles ralentissent quand elles rentrent dans un sol dur, parce que le sol est plus dur, et donc c'est plus difficile de pousser dedans. Ça paraît pas complètement idiot de dire ça. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé dans ce papier-là, c'est que au niveau de l'apex racinaire, il va y avoir une hormone qui va être produite, hein, de l'éthylène, qui va être produite par la racine et qui va se diffuser dans le sol. Et donc le fait que cette hormone va se diffuser dans le sol, cette diffusion va être différente en fonction qu'on est dans un sol compacté ou un sol qui n'est pas
compacté. Quand on est dans un sol qui est compacté, cette diffusion, en fait, a beaucoup moins lieu. Et donc, l'éthylène va s'accumuler près de sa zone de production. Et l'éthylène va, en fait, induire l'arrêt de la croissance de la racine. Et donc, ce qu'ils ont montré, les chercheurs, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une plante qui ne répond plus à l'éthylène? Donc, normalement, la plante répond à l'éthylène. S'il y a de l'éthylène, elle s'arrête de pousser. Eh bien, les plantes qui sont non sensibles à l'éthylène, elles continuent à pousser au travers de ces zones extrêmement dures dans le sol, comme si de rien n'était. Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'en fait, c'est pas du tout le fait que le sol soit compacté qui fait que la racine ne pousse pas. Elle pourrait tout à fait passer au travers. Hein, si on lui donne pas le message que le sol est compacté, elle ne le sait pas et donc elle passe au travers. Et il y a un autre message sur le côté qui fait qu'elle va s'arrêter de pousser. Mais c'est pas une contrainte dans ce cas-ci, une contrainte mécanique. Ah, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que tous les jardiniers du monde se sont en fait trompés sur cette perception de c'est trop dur pour que mes racines traversent. En fait, c'est juste la plante qui peut plus pousser parce que il y a un signal qui lui dit d'arrêter, quoi. Enfin. Voilà, tout à fait. Et donc ça a peut-être du sens dans un sol classique. En fait, il faut vraiment voir ça comme un milieu qui est extrêmement hétérogène. On va avoir des zones où il y a de l'eau, des zones où il n'y a pas d'eau, des zones qui sont plus compactes, des zones qui sont moins compactes. Et donc, on pourrait penser, c'est logique pour la plante de dire, les zones qui sont plus compactes, peut-être ça me demande plus d'énergie de pousser de ce côté-là, et donc je vais réallouer mes ressources dans une autre racine. De toute façon, des racines, j'en ai des milliers, et donc la racine qui se trouve dans un sol compact, c'est pas grave, on va pas pousser à cet endroit-là, on va pousser d'un autre côté. Il se fait que dans des systèmes agricoles, un champ, un champ à une trentaine de centimètres de profondeur, on a ce qu'on appelle une semelle de labour. La semelle de labour, c'est une zone extrêmement compacte qui est due notamment au passage répété du tracteur dans le champ. Et donc, cette zone extrêmement compacte se trouve partout dans le sol. Et donc, on n'est plus là dans une zone, dans une hétérogénéité du sol, donc certaines zones qui sont compactes ou pas, on a vraiment une couche compacte qui va, en fait, effectivement bloquer les racines et vont les empêcher de passer. Et c'est le couvercle-là, c'est intéressant parce qu'on pourrait du coup dire aux racines, là, ça vaut quand même la peine de pousser au travers, parce que après cette semaine de labour, qui fait quelques dizaines de centimètres, après, on a à nouveau un sol qui est normal. C'est vraiment juste une couche qui est extrêmement dure, et donc ça vaut la peine de la traverser et d'aller voir plus loin. Et donc, c'est potentiellement ici une cible en termes d'amélioration végétale qui est intéressante pour dire aux racines de continuer simplement de pousser. Ok. Alors, peut-être une question naïve, mais à la surface, on entend souvent dire que les plantes, elles font la course à la lumière, elles sont en compétition pour la lumière, et donc il y a des plantes qui poussent plus rapidement et qui peuvent s'épanouir, alors que le sol de forêt, il n'y a rien qui pousse dessus. Est-ce que sous terre, c'est pareil? Est-ce que des racines peuvent se faire compétition? Tout à fait. Donc, elles vont se faire compétition de plusieurs manières. Il y a des compétitions pour les ressources. Un petit peu comme les ressources pour la lumière. Si on se trouve là en premier, on va pouvoir prélever l'eau qui va se trouver à cet endroit-là, on va pouvoir prélever les nutriments. À savoir qu'il y a toute une série de ressources qui sont très mobiles dans le sol. Et donc l'eau, par exemple, quand il pleut, à chaque fois, il y a de l'eau qui va revenir et qui va rebouger dans le sol. C'est le cas pour des nutriments aussi. Donc c'est un petit peu différent que la compétition pour la lumière. Donc il y a ce type de compétition-là pour les ressources. Et pour ça, en fait, on voit que les plantes ont des systèmes racinaires extrêmement variables, avec des profondeurs qui peuvent aller de nouveau quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres. On peut avoir facilement chez du maïs, chez du blé, par exemple, des racines qui vont descendre à 1,50 m de profondeur. Et alors, un autre type de compétition, ce sont des compétitions allélopathique, où en fait on va avoir des racines qui vont excréter des composés qui vont empêcher d'autres racines de pousser près d'elles ou stimuler d'autres racines à pousser près d'elles, etc. Donc on a vraiment ces deux types de compétitions, quelque part une compétition soit de l'espace et pour les ressources, et être là en premier pour pouvoir prélever ce qui se trouve là, ou une compétition alors plutôt chimique pour combattre alors activement ses voisins. Je refais juste un point jargon pour les auditeurs. Est-ce que tu saurais expliquer ce que c'est que allélopathique? Donc c'est on parle d'allélopathie quand en fait les plantes vont excréter des composés, donc produire des composés dans leur environnement qui vont empêcher les plantes à côté de pousser. Voilà, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde végétal, qui est un monde extrêmement brutal, hein, et sans aucune
sans pitié évidemment. C'est le cas notamment pour les noyers. Donc les noyers sont excrètent beaucoup de composés, les juglones qui sont en fait des composés toxiques. Si vous regardez en dessous d'un noyer, il y a très peu de choses qui poussent en dessous d'un noyer. Vous allez avoir un rond d'herbe en fait qui va être, enfin un rond en dessous du noyer qui correspond à l'espace racinaire du noyer, qui va être plus ou moins désert d'autres espèces végétales parce que le noyer va empêcher la croissance de ses de ses compétiteurs. Alors du coup dans la chatroom il y a eu quelques remarques, Lutine déjà qui fait remarquer qu'ils n'étaient pas très futés au XVIe siècle parce qu'on voit quand même que sans eau une plante ça sèche. mais on ne savait pas que oui, c'était les racines qui les absorbaient forcément. Voilà, après il faut se dire aussi pour que les plantes sèchent, d'accord, parce qu'il n'y a pas d'eau, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de soleil. En général, il y a une corrélation entre les deux. Et donc, il faut aller un état plus loin, de dire, c'est pas à cause du soleil forcément que la plante a crevé, mais c'est aussi parce qu'elle avait pas d'eau. Donc, en général, les deux coïncident et sont assez proches. Tout à fait. Et alors, elle pose une question. Elle a déjà vu des arbres passer à travers du béton, du grès, etc. Et elle demande, c'est quoi la limite pour une racine, du coup? Ah, mais il n'y en a pas, évidemment. Les racines, c'est merveilleux, hein, ça passe dans tout. Donc, effectivement, hein, donc, et ça, vous pouvez voir, donc, on va avoir des racines qui vont casser, effectivement, comme c'est mentionné, du béton, du grès, ou même si vous regardez sur des vieux murs, sur des ruines, par exemple, vous voyez, en fait, des plantes qui poussent dans des endroits qui sont complètement absurdes, où, a priori, il n'y a vraiment pas de sol, c'est vraiment dans des petits interstices qu'on va retrouver dans les murs, on a des plantes qui vont pousser à cet endroit-là. Il y a deux choses. Déjà, les racines vont excréter aussi des composés qui vont être décomposés en partie acides et donc qui vont aider à la décomposition, par exemple, de matière minérale. Il faut se rappeler aussi, il y a des centaines de millions d'années, avant que le monde ne soit colonisé par les plantes, c'était essentiellement un monde minéral, un monde de cailloux. Ce sont en fait les plantes qui, de par leur colonisation, ont créé le sol tel qu'on le connaît, qui est essentiellement composé de matière, en grande partie composé de matière organique, par exemple. Et donc, il y a cette décomposition chimique qui peut avoir lieu, qui est relativement lente. Et puis, les plantes et les arbres en particulier ont un avantage particulièrement important par rapport à nous, c'est l'avantage du temps. En fait, ils sont beaucoup plus lents, et au lieu de se déplacer pour bouger, par exemple, des obstacles en se déplaçant, ce qu'ils vont faire, c'est pousser. Et pousser, c'est chez les plantes, c'est un processus qui est beaucoup plus fort. Et effectivement, on peut voir des arbres qui avalent complètement des panneaux de signalisation, par exemple, simplement parce qu'ils ont poussé tout autour. On peut avoir des dalles de béton qui vont soulever parce qu'il y a des racines de nouveau qui ont poussé et qui, au fil de nombreuses années, finalement, ont construit ce qu'il fallait que pour pouvoir bouger alors cet obstacle. Donc, cet aspect temporel qui est tout à fait particulier au niveau des plantes, qui n'est pas du tout notre aspect temporel. Et alors, il y a un auditeur qui nous fait une très bonne remarque, et j'allais venir là-dessus. Il parle de grains d'amidon qui, dans les cellules de la racine, tombent au fond et permettent à la plante de sentir, entre guillemets, la gravité. Et ça, c'est un truc qui est particulier chez les plantes, c'est que la tige, ça pousse toujours vers le haut, et puis les racines, ça pousse toujours vers le bas. Et donc, il demande si c'est vrai, et si c'est vrai qu'on peut voir ces grains d'amidon dans les racines si on les observe attentivement. Oui. Oui, donc je crois qu'il faut un microscope quand même relativement puissant. Bon, il faut pas un microscope électronique ou quoi que ce soit, hein, mais je pense avec un bon microscope, effectivement, on peut le voir dans des racines qui ne sont alors pas trop grosses. Hein. Donc, si on a des racines qui sont plus grosses, comme des racines de maïs, même le blé, à mon avis, ici, on risque d'être un petit peu limite, mais des racines relativement fines, effectivement, on va pouvoir voir ces grains d'amidon qui vont qui par gravité en fait indique à la racine dans quelle direction elle se trouve, est-ce qu'elle pousse verticalement, horizontalement, etc. Ouais, et donc il y a d'ailleurs des expériences hyper impressionnantes où finalement si tu retournes un pot dans tous les sens au fur et à mesure de la croissance, la tige va toujours se redéplacer pour pousser vers le haut et les racines vont toujours se redéplacer pour se déplacer vers le bas. C'est assez bien foutu quand même. Voilà, c'est un peu la torture, hein, il faut le dire, mais c'est bien foutu. Oui, les biologistes sont des sadiques, même avec les plantes. Voilà. Ok, merci, je pense que c'est un peu plus clair. Alors, parce que
je te propose, c'est de te poser des questions sur les outils que tu utilises, parce que effectivement, t'as dit, tu t'es pas à la paillasse, donc tu décortiques pas des plantes pour comprendre comment elles fonctionnent. Par contre, tu utilises des outils informatiques, mathématiques peut-être, et j'ai l'impression que tu développes même pas mal d'outils et que t'explores vraiment plusieurs techniques différentes pour répondre à tes questions scientifiques. Du coup, ton travail, c'est vraiment à l'interface de plusieurs méthodes et la façon dont les plantes fonctionnent, donc la physiologie. Tu fais aussi un peu d'analyse d'image, je crois, et tu fais de la modélisation. Donc on a un peu de tout, de la bio à la mathématique, en passant par l'ordinateur. Et quel genre d'expérience, du coup, tu peux faire avec ces outils? Est-ce que tu peux citer quelques exemples de projets et comment t'as réussi à répondre à tes questions scientifiques avec tout ça? Oui. Et donc c'est vrai que le développement d'outils est arrivé un petit peu, je vais pas dire par hasard, mais parce que les outils dont on avait besoin n'existaient pas. Et donc c'est vrai que quand j'avais commencé mon projet de thèse, c'était pas forcément une thèse très méthodologique, mais c'était une thèse en fait où il s'est avéré qu'on avait besoin de développer de nouveaux outils pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on avait envie de répondre. Les questions auxquelles on avait envie de répondre, alors je peux prendre l'exemple de mon travail de thèse, c'était de nouveau chez le maïs, quelles vont être les propriétés au niveau racinaire, au niveau de l'architecture racinaire, donc vraiment l'organisation des racines les unes par rapport aux autres, parce qu'on a différents types de racines même au sein d'une plante. Quels vont être les facteurs au niveau de cette organisation qui vont être favorables à un plus grand prélèvement d'eau? Et donc, il a fallu qu'on développe différentes techniques. Alors, on a réemployé une technique d'observation des racines un dispositif expérimental qui avait déjà été développé ailleurs, mais qu'on a développé un petit peu plus. Et en fait, l'idée, c'est de faire pousser des racines dans un pot qu'on va appeler un rhizotron. Et ce pot, c'est un grand pot rectangulaire qui fait quelques millimètres d'épaisseur et dont les faces sont transparentes. Alors, ça a l'avantage. C'est un petit peu comme les bacs à fourmis, là. Ouais, j'allais dire. Voilà, c'est un peu comme une fourmilière, mais pour racines. Exactement. Il faut penser aux bacs à fourmis. Mais on fait pousser des racines au travers de ce rhizotron. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la croissance des racines le long des parois qui sont transparentes. Maintenant, suivre la croissance des racines. Ok, c'est possible. On prend typiquement, moi, ce que je faisais, c'était prendre une feuille transparente et avec un marqueur. En fait, j'avais dessiné les racines jour après jour. Mais après ce dessin, il faut en faire quelque chose. C'est bien joli d'avoir un dessin ou même une photo dans laquelle on va voir toutes nos racines. Il faut ensuite pouvoir analyser ce dessin, analyser cette photo et en ressortir une information. Une information facile qu'il est possible de sortir assez facilement, c'est par exemple simplement la longueur totale de notre racine, le volume total de notre racine, qui est simplement le nombre de pixels noirs qu'on va avoir dans notre image, par exemple. Nous, on était intéressés par comprendre de nouveau la topologie au niveau racinaire, c'est-à-dire les connexions entre les différentes racines. Et donc là, on a développé des outils d'analyse d'image qui permettent de retracer alors les différentes racines, de les reconnecter entre elles. Ça, c'était une première chose. Avec ces outils-là, donc de nouveau, là, on est vraiment sur un outil informatique d'analyse d'image racinaire. Donc on est vraiment, c'est hyper précis comme domaine. Hein, ça n'intéresse pas. Il y a pas beaucoup de gens qui emploient ce type d'outils, mais une fois qu'on emploie ce type d'outils, on a en fait notre structure complète de notre système racinaire qui est numérisée. Et donc on va avoir les connexions entre toutes les racines qui sont alors numérisées dans un fichier. Et cette numérisation, on va pouvoir la réemployer dans notre exercice de modélisation. Donc, par exemple, on peut reprendre cette racine numérisée, on va la mettre alors dans un sol virtuel, et dans ce sol virtuel, on va demander à la plante de prélever de l'eau. Et puis, on va varier légèrement certains paramètres au niveau de la plante. Dire, ben, en fait, il y a certaines racines qui ont la capacité de prélever plus d'eau que d'autres. Certaines racines qui vont pousser plus rapidement que d'autres, par exemple. Et donc, on peut faire varier tous ces paramètres au niveau de la plante. On peut les faire varier au niveau du modèle. Hein. C'est pour ça, c'est très pratique, les modèles, parce que on a tout en main. Et donc, si on veut faire pousser la plante plus rapidement, si on veut simplement allumer ou éteindre certains des processus, ce qu'il est a priori plus compliqué de faire avec une vraie expérience, eh bien, avec le modèle, on peut le faire. Eh bien, du coup, ça nous permet
de tester toute une série d'hypothèses et de voir quels sont alors les paramètres qui vont influencer le plus notre prise d'eau globale avec notre système racinaire qui, lui, provient vraiment de notre expérience. Et donc là, c'est un lien entre la partie vraiment expérience, design d'un nouveau dispositif expérimental, design de l'outil d'analyse de ce dispositif expérimental, et puis création de l'outil de compréhension quelque part de notre système, qui est alors ici l'outil de modélisation. Ok. Alors, t'as dit plusieurs choses qui m'interpellent, et un truc en priorité, c'est quoi finalement la structure d'une racine ? Parce que quand on dessine, on s'imagine un peu que les racines, c'est l'arbre avec les branches à l'envers, mais dans le sol. Comment ça s'agence ? Est-ce que chaque racine va de son côté ? Est-ce que vraiment ça fait des branchements partout, dans tous les sens, à tous les niveaux ? Et est-ce que c'est le cas chez toutes les plantes, ou est-ce qu'il y a des grandes différences en fonction de, je sais pas, les familles de plantes ? Donc, on va avoir des grandes différences en fonction des familles de plantes. Donc, on va avoir, des grands types de schémas, des schémas qui sont plus plus buissonnants que d'autres, ou des schémas où on va par exemple avoir une racine principale. Donc, on a vraiment une racine qui va pousser, et au fur et à mesure où elle pousse, elle va faire sur le côté des racines latérales. Vous pouvez penser à une arête de poisson, une carotte, telle qu'on va la consommer, ça va être la racine principale. Ben en fait, sur cette racine principale, il y a toute une série de racines qui partent sur le côté, un petit peu comme une arête de poisson ou un sapin de Noël. Ça, c'est vraiment la structure de base. Alors, ces racines latérales qui sont formées sur la racine primaire, donc qui sont formées sur la carotte, ces racines latérales peuvent former elles-mêmes d'autres racines latérales, qui peuvent former elles-mêmes d'autres racines latérales. Et donc, on a ici, là, un processus itératif qui fait qu'on peut avoir différents, ce qu'on va appeler des ordres racinaires, donc des racines sur des racines sur des racines qui peuvent être formées. On peut aussi avoir, donc, la carotte, on a une racine principale, des racines qui vont pousser sur le côté. On a d'autres types de systèmes racinaires, par exemple, comme chez les graminées, les herbes, les céréales. Vous pouvez penser à une plante de maïs. Une plante de maïs, ce qu'on va avoir, c'est on va pas avoir une racine principale comme chez la carotte, mais des racines principales, on va en avoir des dizaines. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne le maïs ? Parce qu'en fait, chez le maïs, on le voit, si vous allez dans un champ de maïs, vous voyez ces racines qui sont au niveau des premiers, dans le bas de la tige, on a ces grosses racines qui sortent et qui vont s'ancrer dans le sol. Eh bien, ces racines-là, ce sont toutes des racines, on va appeler ici des racines nodales, mais ce sont des axes primaires qui vont, eux, porter d'autres, de nouveau, des racines latérales qui peuvent porter des racines latérales. Et donc là, ça va donner un aspect beaucoup plus buissonnant, parce que ces axes primaires, au lieu d'en avoir un, comme c'est le cas chez la carotte, on va en avoir beaucoup plus dans le cas du maïs. Et donc c'est vraiment ce processus itératif de production de nouvelles racines. Du coup, il y a un auditeur qui se pose une bonne question, c'est son pseudonyme, qui demande si c'est fractal une racine. Pas tellement que ça. Donc il y a pas tellement. Il y a des études qui ont été faites. Alors je me souviens plus quelle était exactement la dimension à laquelle ils étaient arrivés. Ça va dépendre du type de racine, ça va dépendre du type de plante, ça risque de dépendre du type d'environnement aussi, parce que l'environnement va jouer très fort. Mais c'est pas si fractal que ça. Je me demande si les tiges n'ont pas une dimension fractale plus élevée que les systèmes racinaires. Très bien. Alors du coup, tu me dis si je me trompe, mais tu as développé un autre site qui s'appelle Quantitative Plants, du coup, et qui recense plein d'outils numériques pour l'étude des plantes. Alors il y a un peu de tout, la forme des feuilles, l'analyse de la canopée, ça va du microscopique au macroscopique. Toi, quel genre d'outils tu utilises, et c'est quoi ton outil préféré au quotidien? Alors, moi, les outils que j'utilise, c'est les outils pour analyser les racines, évidemment. Quoique, non, il y a des outils qui sont référencés sur le site, qui sont les outils, pour l'instant, d'identification de plantes. Donc, il y a des outils, des applications smartphone, par exemple, qui permettent d'identifier une plante. Vous prenez une photo et l'application va vous dire quelle est l'espèce de la plante que vous avez pris en photo. Je pense que pour l'instant, c'est ceux-là que j'emploie le plus, mais pas du tout dans un cadre professionnel. dans le cadre professionnel, ça va être des outils d'analyse racinaire. Et là maintenant, ce qu'on a de plus en plus, c'est les outils qui sont de plus en plus performants. Ce sont des outils qui vont intégrer
des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent alors de reconstruire et de reconnaître beaucoup mieux les racines que ce qu'on faisait avant. Et donc avec du deep learning, par exemple, là maintenant on a vraiment des outils qui deviennent vraiment de plus en plus performants et qui commencent à faire tout le boulot à notre place. Ce qui est pratique. Donc quand tu dis tout le boulot, ce serait retracer, mesurer et évaluer la croissance d'une racine automatiquement à partir d'une image, par exemple. Voilà, tout à fait. Je peux donner un exemple très pratique parce qu'on a un étudiant qui a travaillé là-dessus. On a un dispositif de prise de photos racinaires en Allemagne, avec lequel, je pense, on a pris des centaines de milliers de photos racinaires au cours des 5 dernières années. Donc, ce sont des tubes, en fait, qui sont insérés dans le sol et on insère une caméra dans le tube pour prendre des photos des racines qui touchent, en fait, qui touchent le tube, hein, c'est en champ. Et donc, on a énormément de photos qui ont été prises et toutes ces photos ont été traitées à la main, d'abord par des thésards, parce qu'il n'y avait pas d'outils appropriés. Donc, à chaque fois, ça mettait au moins aussi longtemps que la saison de culture d'analyser les images. Mais ça devait être fait, parce que voilà, on les avait, c'était comme ça. On a ici un étudiant en master qui a en fait combiné différents outils existants, qui a employé des nouveaux outils qui combinent de l'intelligence artificielle. Et je pense que, sans exagérer, maintenant, en une journée, il peut réanalyser l'ensemble de toutes les images qui ont mis des mois et des mois à être analysées auparavant, avec un niveau de précision qui est peut-être pas exactement comparable à ce qui a été fait par les thésards précédents, mais en tout cas même la petite diminution de précision est tout à fait acceptable par rapport à l'énorme gain de temps et d'énergie qui était consacré avant. Donc ces outils-là de deep learning et d'intelligence artificielle, pour moi, sont vraiment ceux qui sont les plus intéressants aujourd'hui. Ça doit être un peu frustrant pour les gens qui ont fait le travail de se dire que s'ils avaient attendu quelques années, ils auraient pu le faire en 10 minutes, 5 ans plus tard, au lieu d'y passer 5 ans. Ils sont partis, on ne leur dira jamais. D'accord, c'est bien pour eux, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant ce qu'on fait en informatique. Et est-ce que, du coup, c'est un domaine spécifique, l'informatique appliquée comme ça au développement des plantes? C'est un domaine qui bouge pas mal, j'imagine. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est très lié à ce qu'on appelle le phénotypage des plantes. Donc, le phénotypage, c'est la quantification des plantes. Que ce soit, par exemple, la quantification de la taille de la plante ou la quantification de la couleur de la plante, etc. Cette quantification, c'est indispensable dans la recherche, c'est indispensable dans l'amélioration végétale, par exemple, parce que ça nous permet de comparer, en fait, les différentes plantes, les différentes espèces, les différentes variétés, les différents traitements, les différents environnements, par exemple. Donc, il y a énormément de moyens, maintenant, qui sont mis dans ces exercices de phénotypage, notamment des plateformes de phénotypage qui sont développées au niveau européen, qui coûtent extrêmement cher, mais qui permettent de prendre en photo des milliers de plantes, que ce soit des tiges, des racines, etc. Eh bien, une fois qu'on a ces milliers d'images qui sont générées, eh bien, il y a naturellement un besoin de pouvoir les analyser, et donc tout ce côté informatique qui vient derrière, donc l'analyse des images, le traitement des images, et l'analyse des données à l'aide de modèles, ça c'est quelque chose qui se développe extrêmement fort parce que il y a vraiment cette demande pour le phénotypage qui vient en amont. Parce que moi je travaille en biologie du développement animal et on a exactement ce qui est pas surprenant hein, la même tendance évidemment l'idée de pouvoir explorer de plus en plus d'espèces et de plus en plus de phénomènes développementaux. Et comme sur ces espèces autres, on n'a évidemment pas les outils qu'on a sur les espèces modèles, on a aussi évidemment beaucoup recours à tout ce qui est modélisation, machine learning, ce genre de choses pour arriver à expliquer ce qu'on voit en fait et tout à fait de la façon la plus complète possible. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette partie-là, qui est cette partie vraiment purement de quantification et de mesure, c'est pas la partie la plus intéressante de la science. C'est ce qui prend du temps. C'est absolument nécessaire, hein, parce qu'il faut qu'on ait des données,
Mais c'est pas ça qui est la partie la plus intéressante. Ce qui va être intéressant, c'est le design des expériences, c'est l'analyse des données qu'on va avoir derrière. Et donc, ces méthodes-là nous permettent, en fait, de nous affranchir en partie de cette contrainte temporelle de la prise de mesure et l'analyse des données pour aller plus loin et poser des questions qui sont de plus en plus complexes. C'est pas juste parce qu'on est paresseux. Merci la technologie, du coup, de faire avancer les chercheurs plus vite. Très bien, ben, je pense que c'était aussi très clair. Je sais pas, Irène et Clément, si vous avez des choses à rajouter. Passons au sujet tendu. Alors, comme beaucoup d'invités qui passent ici, tu as non seulement un profil de chercheur, mais tu es aussi maître de conférences et tu fais pas mal de vulgarisation. Et je te pose une question tout à fait honnête. Je me rappelle qu'à la fac, beaucoup de gens détestaient les cours de biologie végétale et trouvaient ça complètement chiant et assommant. Alors toi, en tant que maître de conférences, c'est quoi tes astuces pour passer le virus à tes étudiants et faire en sorte qu'ils trouvent ça formidable, les plantes aussi? Oui. Alors, d'abord, je dois dire que le terme maître de conférence, qu'on n'emploie pas du tout en Belgique, hein. J'adore, c'est très ronflant comme terme, c'est parfait. je suis tout à fait d'accord que les cours de bio, c'est pas évident à donner à la fac. Alors, une des raisons pour laquelle c'est pas évident à donner, c'est parce qu'en général, on arrive à la fac, en tout cas en Belgique, avec zéro connaissance en biologie végétale. On sait ce que c'est un cœur, on sait ce que c'est un cerveau, on a une idée plus ou moins de ce que c'est des reins, des veines, des artères, tout ça. Donc au niveau animal, on a déjà toute une série de... On a un bagage qui est déjà construit. Au niveau végétal, on n'y connaît rien. À la limite, on sait ce que c'est une feuille, une tige, une racine, et encore. Et donc, les premiers cours de biologie végétale, c'est de l'apprentissage de vocabulaire, en fait. Et l'apprentissage de vocabulaire, c'est pas très fun. Ça, on est bien d'accord. Alors, c'est pas très fun à recevoir, c'est pas très fun à donner non plus. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que ça peut être vu comme étant assommant, parce qu'on reçoit une quantité de vocabulaire dont on n'avait jamais entendu parler, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, etc. Moi ici j'ai repris des cours de nouveau, donc le cours d'introduction à la biologie végétale il y a 3 ans, et c'est vrai qu'avec l'équipe enseignante on a pas mal réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour rendre ça un petit peu plus fun. Alors, on rend pas ça fun pour que ce soit fun, hein. On rend ça fun parce que quand c'est fun, on apprend mieux. Donc ça, je crois que c'est important à garder en tête, hein. On ne s'amuse pas pour simplement pour le plaisir, même si ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est parce qu'on apprend mieux quand on est impliqué dans son sujet. Et donc, par exemple, une chose qu'on a mis en place lors de ces cours, donc c'est un cours où on a entre 300 et 350 étudiantes et étudiants, on a créé une chasse au trésor. Donc, on a une chasse au trésor qui se fait dans l'environnement des étudiants. Alors, ça se donne avec un cours de biologie animale, hein, donc on fait les deux à la fois. Et les trésors, les quêtes qu'ils doivent trouver, ce sont en fait des structures animales ou des structures végétales. Donc, plutôt que de leur donner une liste de noms de structures, de dire une feuille alterne, c'est ceci. Une feuille simple, c'est ceci. Une feuille composée, c'est ceci. Donc, leur donner quelque part une liste de vocabulaire à étudier, on leur dit plutôt, si vous me prenez une feuille alterne en photo dans votre environnement, vous aurez 1 point. Si vous me prenez une feuille composée, vous aurez 2 points parce que c'est plus compliqué. Et donc, on a cette liste de termes zoologiques et botaniques, qui sont a priori des termes qui ne sont pas connus, des termes qu'ils doivent connaître pour pouvoir rentrer dans la matière. Eh bien, ces termes, ce qu'on leur demande de faire, c'est d'aller, alors, de trouver ce que ça veut dire. C'est eux qui doivent chercher, mais ça, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de taper dans n'importe quel moteur de recherche et on trouve la définition. Mais ensuite, de le retrouver dans la nature. Et donc, de regarder simplement autour d'eux, sur le campus, et de le prendre alors en photo. Et donc, pour nous, ça a deux avantages. Enfin, il y a deux buts vraiment à cette activité. Donc, c'est cet apprentissage de vocabulaire, mais c'est aussi simplement que les étudiantes et les étudiants apprennent à ouvrir les yeux et regarder ce qui se trouve autour d'eux et voir, en fait, il y a une diversité tout à fait impressionnante, simplement, en se baladant en ville. Donc, Louvain-la-Neuve, c'est un campus où il y a quand même pas mal de verdure, mais on est quand même en ville, hein, c'est essentiellement piéton. Ben, simplement en ville, on peut trouver une variété de structures animales, de structures végétales, d'espèces différentes.
Et ça, les étudiants, des étudiants qui participent alors à ce jeu-là, s'en rendent compte, c'est vraiment quelque chose qui nous revient par après, ils sont contents de s'être rendus compte de cette diversité. Voilà, donc ça c'est une des choses qu'on met en place pour ça, pour justement qu'ils ne détestent pas le cours de biologie végétale. C'est vraiment super parce que c'est vrai que déjà on n'a pas beaucoup de cours sur les plantes en général dans notre vie. Hein, je pense que ça a disparu de quasiment tous les enseignements sur tous les continents confondus, ce qui est étrange parce que c'est quand même des trucs importants dans l'environnement. Et en plus, il y a cet aspect, on le pratique jamais sur le terrain finalement. On le voit très théoriquement comment ça fonctionne et on va jamais regarder des plantes dehors. Donc c'est effectivement une démarche qui me paraît pertinente et qui est super intéressante pour les étudiants. Y a d'ailleurs un auditeur qui demande s'il peut avoir ce jeu en appli pour chez lui. Alors, oui, la réponse est oui, mais c'est un peu compliqué à installer sur son ordinateur. Mais on a développé du coup une application web pour les étudiants pour qu'ils puissent y accéder avec leur smartphone, etc. Je pourrais donner l'adresse alors par la suite. Ou alors je peux le mettre directement. On peut le mettre dans la chat room et on peut le rajouter aussi dans les notes d'émission pour après l'épisode quand les gens réécoutent. Ouais. Super. Du coup, comme tu fais aussi de la médiation, de la transmission, etc., quelle est ton expérience ou ton canal de médiation préféré ? Est-ce qu'il y en a un que tu trouves plus puissant que d'autres ou au contraire plus limitant ? Alors, je trouve que le canal le plus puissant, ça va être l'enseignement, le vis-à-vis avec d'autres personnes. Il y a rien à faire. Je crois que le canal numérique, quel qu'il soit, est intéressant parce que ça permet de toucher une audience qui est plus large. Mais avoir une interaction directe avec des gens en face de toi, et donc pour ça, j'ai la chance de pouvoir faire de l'enseignement. Pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus puissant parce que c'est ça qui permet le plus d'être dans l'interaction et d'être dans la transmission de plus que simplement du savoir. Il y a quelque chose d'autre qui passe quand on est face à des gens. Donc ça, pour ça, l'année qui vient de passer, c'était un petit peu compliqué quand même, parce qu'on perd vraiment cet aspect-là, cet aspect mutuel de transmission d'émotions, etc. Donc voilà, donc ça pour moi, quelque part, être devant des gens et expliquer devant des gens des choses, c'est ça qui est le plus intéressant. Maintenant, voilà, on a la chance aussi de vivre dans une époque où les médias informatiques sont aussi extrêmement présents. J'ai pas mal employé Twitter plus par le passé, mais c'était pas tellement c'était plus au sein de ma communauté scientifique pour être en connexion avec d'autres scientifiques d'autres scientifiques du domaine, tout à fait. Là ici, la situation particulière qu'on vient tous de vivre et donc tous les cours en distanciel, là j'ai pris un peu de temps et beaucoup de plaisir à faire des capsules vidéo qui sont maintenant en ligne. Donc là j'expérimente d'autres choses justement pour essayer. Mais pour moi, le médium principal, c'est vraiment le présentiel et avoir des gens en face de soi. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Et c'est vrai que 2020, ça a été à la fois éprouvant parce qu'on a vu personne et parce qu'on a dû consommer beaucoup de choses sur écran et sur... Enfin voilà, c'est un peu lassant. Enfin, je sais pas si ça vous le fait le même effet dans l'équipe, mais moi, quand on me dit il va y avoir une vidéoconférence sur Internet, je me dis « Oh non, pitié, pas encore !» Ah oui, non mais clairement, je pense que effectivement ce que tu disais sur les étudiants, enfin moi j'enseigne aussi un peu, c'est... Ouais, on se rend compte à quel point c'est important, en fait, d'avoir le présentiel, et même pour tout ce qui est conférence scientifique, en fait, ce qui est en Zoom... Alors ouais, c'est sympa de pouvoir écouter une conf au fond de son lit, une bière à la main, mais en fait, on manque l'essentiel, quoi, les discussions après, l'interaction, les choses qui rebondissent, quoi. Et je pense que la pandémie a vraiment finalement montré ça aussi. Ça explique aussi l'échec de tous les MOOC, finalement, qui étaient présentés un peu comme le nouveau truc il y a 10 ans et qui finalement marche pas tant que ça, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Je pense que ça dépend quel usage t'en fais. C'est vrai que les MOOC amateurs, entre guillemets, où tu te renseignes sur un sujet, c'est plutôt pratique et je pense que ça a pas mal de succès. Mmh. Mais les MOOC pour l'enseignement distancié, c'est peut-être moins. Ouais. Maintenant, Pardon, vas-y, Guillaume. Non, mais j'allais dire, c'est vrai que pour tout ce qui est conférence, par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand on est en distanciel comme ça. Le présentiel, c'est vraiment quelque chose, je crois, que tout le monde sera ravi de le retrouver. Ce que j'espère aussi, c'est qu'on gardera quand même toujours des possibilités. Je crois qu'il faudra pas tout rejeter à la poubelle non plus. Je crois qu'il y a quand même des choses intéressantes. Et donc, parfois, on n'a pas l'occasion d'aller en conf pour des raisons X ou Y, des raisons familiales, de santé, professionnelles, peu importe. Et donc, si dans le futur, les conférences peuvent garder des options qui sont peut-être en partie distancielles, ça, je crois, pour moi, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant à garder, parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont apparues. Si ce n'est qu'on a tous appris à employer Zoom, Teams, Skype, on n'a plus peur d'allumer une webcam ou de devoir se mettre en ligne. Voilà, c'est plus devenu quelque chose de complètement exotique, quoi. Non, effectivement, je pense qu'il y a des choses très positives là-dedans, et effectivement, si on peut s'en sortir avec un espèce de fonctionnement hybride entre les deux, ce serait bien. Donc je voulais juste faire une petite note audio pour les auditeurs du futur, hein. Cette émission est enregistrée en 2021, donc nous parlons de l'an de grâce 2020, qui doit être supprimé de tous les calendriers du monde à cause de la pandémie de coronavirus. Voilà, ça c'est noté. En médiation, j'ai vu que t'avais fait pas mal de... Enfin, t'avais fait un peu de radio aussi, que t'étais passé dans certains podcasts en Belgique. Donc, c'est bien, ça m'a rassurée aussi pour t'inviter. Tu sais déjà de qu'est-ce qu'on fait au podcast. Et je voulais juste mentionner que tu avais mis en ligne une liste de podcasts de science sur Internet. Et ça peut intéresser nos auditeurs. Donc, on va mettre le lien, pareil, dans la chatroom et dans les notes d'émission. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu d'où ça vient et comment ça fonctionne pour les auditeurs? Oui, mais donc en fait j'ai repris une liste qui avait été publiée par quelqu'un d'autre, un autre scientifique dont je dois dire avec honte dont je ne me souviens plus le nom, Mackenzie, je pense. Et donc ce que j'ai fait, c'est simplement remettre cette liste dans un format qui est plus pratique à naviguer, tout simplement. Donc j'ai mis la liste en ligne, je crois qu'elle était en ligne sous forme d'un fichier PDF ou quelque chose comme ça, ou peut-être même d'un tableur Excel, mais là, ici, c'est un site web qui permet de rapidement naviguer dans la liste. C'était dans une publi, il me semble. Hein, donc il y a quelqu'un qui a eu l'amabilité de faire une publication sur une liste des podcasts scientifiques. Alors, je suis désolée de vous annoncer que podcast science n'y est pas, mais c'est probablement parce qu'on est francophone et donc profondément underground. Voilà. J'ai également découvert en te suivant que tu avais lancé une base de données d'images d'illustration de plantes. Donc tu utilises un truc qui s'appelle Figshare. Alors je sais pas si c'est un truc qui préexistait ou comment ça a été développé ce truc-là, mais ça peut être vachement utile pour toutes les personnes qui doivent un jour faire une présentation mais qui sont pas très fortiches en dessin. Est-ce que tu peux juste nous dire deux mots sur cette initiative? Oui, bien sûr. Donc ça, de nouveau, c'est une initiative qui vient pas de moi uniquement. Donc c'est avec des gens sur Twitter. Où, comme beaucoup de scientifiques, on passe du temps à faire des illustrations, quelles qu'elles soient. Hein, on passe souvent du temps à refaire des illustrations, que ce soit pour des papiers, que ce soit pour des présentations, avec plus ou moins de succès dans la réalisation finale. Mais le temps est toujours là. Et donc, on s'est dit, ça vaut peut-être la peine d'essayer de valoriser, en fait, ce temps passé et de le valoriser au travers... ici du partage en fait de ces illustrations. Donc on a employé ici une plateforme, donc Figshare, c'est une plateforme qui existe depuis quand même pas mal d'années, qui est simplement une plateforme de partage de toute une série de productions scientifiques, que ce soit on peut partager des papiers scientifiques là-dessus, donc déposer effectivement le PDF, on peut déposer des PDF de présentation, on peut déposer des figures, voilà, il y a toute une série de différents types de productions qu'on peut déposer dessus. Et ici, ce qu'on a fait, c'est créer en fait ce que Figshare appelle ici des collections. Et donc, c'est pas nous qui mettons toutes les illustrations. On a dit, essentiellement via Twitter, on a dit aux autres scientifiques, aux botanistes, si vous avez des illustrations
et que vous voulez les partager, ce qu'on vous propose, c'est vous créez vous-même un compte sur Figshare, vous mettez votre... C'est gratuit, hein, ça ne coûte rien. Vous mettez votre illustration, ce qui va faire en fait que vous allez avoir l'illustration qui est disponible pour tout le monde, mais avec votre attribution. Donc, on verra toujours votre nom en dessous de l'illustration. Donc, si quelqu'un veut la télécharger, eh bien, il va voir toujours à qui appartient cette, ou qui a créé en tout cas cette illustration. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est regrouper toutes ces illustrations dans une collection. Donc, on ne crée pas les illustrations. On a mis les nôtres dedans, forcément, parce qu'on en avait de base. Mais c'est pas nous qui les avons toutes faites. Nous, tout ce qu'on fait, c'est simplement les regrouper, en fait, en un endroit. Donc c'est un peu la même idée que le site Quantitative Plants, qui est de dire tous les logiciels qui sont présentés, c'est pas moi qui les ai faits, mais tout ce qu'on fait nous, c'est créer un répertoire en fait. On crée un répertoire pour aider les gens à trouver ce qu'ils recherchent. Voilà, c'est vraiment rien d'autre que ça dans ce cas-ci. Ah, c'est rien d'autre que ça, n'empêche qu'il faut le faire et que ça aide après pas mal de gens. Je trouvais ça beau de parler un peu de ça, parce que finalement, c'est de ton initiative que maintenant, il existe un endroit où on peut récupérer facilement des figures, et puis l'initiative, tu l'as lancée via un réseau social, donc c'est beau de voir ces collaborations un peu informelles comme ça, donner quelque chose de pratique et d'utilitaire pour gagner du temps. Donc... Voilà, je trouve ça hyper important de mentionner ce genre de projet, finalement. N'importe qui, à tout moment, peut prendre l'initiative de rendre la vie plus facile à d'autres gens et impliquer des gens dans cette opération, c'est pas mal. Ouais. En fait, on a maintenant tous les outils qui sont disponibles pour faire ça. Et ça, c'est super. Ouais. Il me semble que j'ai vu passer de toi peut-être des cours d'illustration scientifique, justement. Donc j'ai l'impression que l'image, c'est un peu un sujet qui te touche aussi en tant que chercheur, en tant que personne. Et tu donnes des cours là-dessus. C'est quoi tes conseils que tu donnes aux étudiants pour faire des figures efficaces, enfin communiquer par l'image, tout ça. Comment ça fonctionne un peu? Oui, donc une des d'un cours ou une formation une présentation que je fais de temps en temps, là c'est plutôt alors au sein de nos instituts de recherche, c'est comment faire des figures qui sont efficaces. Et donc c'est voir un petit peu les fondamentaux de qu'est-ce que c'est une figure, à quoi ça sert, quel est le message qu'on veut transmettre, quels sont les éléments sur lesquels on peut jouer pour que la figure soit la plus efficace possible. Ici, c'est vraiment pas, l'idée n'est pas de faire quelque chose de beau, hein, c'est pas le but. Ça peut être quelque chose de très moche, mais très efficace. L'idée, c'est de pouvoir transmettre de manière la plus efficace possible le message qu'on veut transmettre. Et pour ça, je crois que les figures, et donc par figure, j'entends vraiment plutôt tout ce qui est graphique. Alors, on va montrer des données, par exemple, ou des illustrations qui vont peut-être être plus alors des dessins, des schémas. Dans les deux cas, ça permet de structurer la pensée de manière beaucoup plus naturel, plus intuitif, si cette représentation est bien faite, plus intuitif que du texte. Voilà, pour moi, l'adage qui dit qu'une figure vaut bien 10 000 mots, quelque chose comme ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait juste. Et donc, une figure qui va être bien faite va vraiment permettre de voir rapidement ce que l'auteur ou l'autrice veut mettre en avant. J'ai l'impression que c'est quand même un truc qui se démocratise un peu dans la publication scientifique, de faire par exemple, au lieu de faire des abstract textes, ou alors en complément, de faire un abstract visuel pour résumer le sujet de l'article, mais avec juste du dessin ou des choses comme ça, ce qu'on voyait pas trop avant, mais qui maintenant existe de plus en plus. Et je pense que, enfin, je sais pas si tu confirmes cette tendance que... Non, tout à fait, et je crois que c'est très bien avec une chose à laquelle il faut faire attention, c'est pas parce que c'est de nouveau il y a une distinction à faire entre ce qui est beau et ce qui est efficace. Et non seulement on a de plus en plus, donc c'est graphical abstract, comme les journaux les appellent, qui sont une représentation graphique du papier. On a aussi de plus en plus de sites web qui offrent des librairies de dessins tout faits et qui suffit de combiner. Donc il y en a plein, il y en a de plus en plus qui existent, et qui permettent de faire quelque chose de très beau très rapidement, mais c'est pas pour ça de nouveau que c'est efficace. Et donc, avoir quelque chose d'efficace qui transmet vraiment le message, c'est encore, je dirais, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent que de faire quelque chose de beau. Et parfois, j'ai l'impression qu'il peut y avoir facilement une
une confusion alors entre les deux. Mais c'est vrai que c'est de toute façon quelque chose qui est mis de plus en plus en avant, et je crois que même simplement dans les présentations scientifiques, la qualité générale des présentations scientifiques a tendance à augmenter, ce qui n'est pas plus mal. C'est vrai que je me rappelle avec émotion de certains cours de fac où c'était des fonds fluo dégradés arc-en-ciel, comme ça, avec du comics en MS jaune. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça a tendance, fort heureusement, à disparaître petit à petit. Ça m'a marqué au moins. Ce que tu disais sur la structure, je trouvais ça intéressant aussi, le message, parce que j'ai l'impression que de plus en plus dans la façon de présenter les talks et même les papiers, en fait, il y a de plus en plus d'accent qui est mis sur le storytelling et sur la façon d'aller vraiment raconter de façon intelligible ce qu'on fait. Et ça, je trouve, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais que justement, dans ces histoires de graphical abstract et tout, on met aussi l'accent sur ça parce que ça permet de raconter des choses et de raconter une histoire scientifique d'une façon un peu plus mieux construite, en fait, que ce qui pouvait être fait avant. Oui, tout à fait. Et je crois, et c'est très très bien. Je crois qu'il y a eu à un moment je surinterprète peut-être, mais une espèce de mouvement de dire si mon texte est complètement intelligible, je vais paraître beaucoup plus intelligent. ce qui pour moi est complètement faux. En fait, ce qui est compliqué, c'est de rendre j'ai dit intelligible, non, qui est incompréhensible, ce que je veux dire. Si mon texte est incompréhensible, je vais paraître beaucoup plus intelligent. Par contre, rendre un texte justement compréhensible, un texte compliqué compréhensible, ça c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, et c'est et effectivement beaucoup plus d'efforts qui sont mis là-dedans pour rendre les choses plus plus compréhensibles, ce qui est pas plus mal. Ok. Alors sur l'image, voilà, l'image c'est important et ça change, et je pense que c'est pas plus mal aussi que ça change, enfin que les chercheurs fassent plus d'efforts pour communiquer leurs idées de façon structurée, parce que ça aiderait peut-être aussi je sais pas, les journalistes et les médias à mieux s'approprier les sujets dont ils sont censés parler et faire moins de bourdes dans l'analyse des graphiques à la télé par exemple. Alors moi je t'avoue que en parcourant un peu tout ce que t'as fait sur internet, parce que je me suis quand même pas mal renseignée, désolée, je t'ai stalké avant l'émission, je suis assez impressionnée par tout ce que j'ai trouvé autour de ton nom et tous les projets qui gravitent autour de toi et de tes activités. Récemment tu m'avais contacté d'ailleurs sur un projet en particulier pour me demander si je pouvais relayer un sondage que t'as lancé avec un collègue sur la représentation des végétaux. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots du coup? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un projet un petit peu sur le côté, donc qui est pas vraiment en tout cas moi, qui est pas dans mon axe de recherche principal, mais par contre qui est dans l'axe de recherche de la personne à qui je fais ça, qui est Quentin Yernaux, donc qui est un philosophe. Alors je vais sûrement me tromper, hein, peut-être qu'il me tapera sur les doigts après l'avoir présenté, mais je dirais un philosophe de la botanique, donc qui travaille énormément sur tout ce qui est représentation du végétal. D'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique, notamment. Donc lui, c'est vraiment son domaine de recherche. Et en fait, Quentin avait écrit un livre sur le sujet que j'avais lu, que j'avais trouvé extrêmement intéressant. Il se fait qu'il travaille aussi dans une autre université belge. Et donc du coup, j'avais contacté, on a commencé à discuter ensemble de cet intérêt commun quelque part de la représentation du végétal dans la population. Et donc, de fil en aiguille, on a décidé de lancer un sondage. Je crois que c'est arrivé d'abord parce que je lui ai dit, en fait, moi, si tu veux, j'ai 350 étudiants qui seront ravis de répondre à un sondage. Et donc, ça faisait un pool de sujets potentiels qui était pas inintéressant. Et donc, on a créé ce sondage vraiment qui vise vraiment qui essaie de comprendre quelle est la représentation que les gens se font des végétaux. Et aussi peut-être un petit peu plus particulier, quelle est la différence de représentation que les gens vont se faire entre les humains, les animaux et les végétaux, et voir où ces différences se situent, voir peut-être c'est ce qu'on peut identifier des facteurs qui vont créer ces différences de représentation. Voilà, très très rapidement. Ouais. Là, on a fermé récemment le sondage parce qu'on avait eu suffisamment de
de réponses. On est dans l'analyse des données. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Donc voilà, on espère sortir quelque chose bientôt. On ne manquera pas de le relayer le plus largement possible, évidemment. L'idée étant de faire une version grand public, évidemment, de cette restitution. Je connais des gens qui ont écrit des romans, d'ailleurs, dans ce sondage. Ça va pas être évident. Oui, on avait laissé des commentaires libres pour plus ou moins toutes les questions. Je crois que je n'ai jamais vu autant de commentaires libres qui ont été employés parce qu'il y avait des... Bon, ça a pris du temps. Ça, c'est Quentin, surtout, qui a lu tous les commentaires. Je crois qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Alors, Quentin Yernaud, du coup, il a écrit un livre dont Guillaume parlait pour les auditeurs qui s'appelle « Du comportement végétal à l'intelligence des plantes ?» point d'interrogation. Ceux qui ont écouté l'épisode sur l'intelligence des plantes avec Marc-André Sellos et qui l'ont trouvé bien s'intéresseront peut-être à ce livre aussi. Donc, je vous encourage à regarder si c'est un sujet qui vous parle. Moi, je l'ai lu, il est vraiment très bien et très bien structuré et très intelligent. Donc, c'est intéressant. Et le sondage, moi j'ai hâte de voir les résultats qui vont en sortir parce que c'est vrai que tous les gens ont des représentations très très différentes, que ce soit symbolique, culturelle, de ce que c'est qu'une plante. Et je pense que chez nous en particulier, c'est intéressant de voir quoi, comment ça se passe dans nos têtes vis-à-vis de ce sujet. Donc, dès que vous en saurez plus sur l'analyse, en tout cas, on relaiera le résultat grand public, sans souci. Vous pourriez d'ailleurs revenir avec Quentin faire l'émission si jamais t'as pas été dégoûté du premier épisode. Ça va, je vous ferai un feedback après, alors. Ok, ça marche. Alors, pour aller vers la fin de cette interview et rester plus léger, j'avoue que j'avais envie de parler de tous tes projets très amusants. Par exemple, tu as fait un répertoire de noms de gènes rigolos qui s'appelle Topless Ninja. Donc c'est vraiment un Tumblr où tu références tous les noms que les biologistes ont un jour donné à un gène qu'ils étudient en laboratoire. Et des fois, c'est assez cocasse. Alors, est-ce que tu peux nous en citer un que t'aimes bien, Guillaume ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai, de nouveau, là, l'idée, c'était juste de mettre en avant quelque chose qui existait, mais qui était un petit peu réparti, le rassembler à un endroit. J'en ai pas un en particulier, mais je vais en citer trois qui fonctionnent ensemble. Donc, le premier, c'est un gène qui s'appelle Superman. Donc, Superman, hein, le type avec son caleçon et sa cape. Superman, en fait, les plantes vont produire, au niveau des fleurs, des organes masculins qui vont être surdéveloppés. Donc, Superman, logique. Ça, c'est un premier gène. Ce gène a une variation de ce gène qui est moins forte, hein, donc qui va aussi avoir le même type d'expression plus importante des parties mâles des fleurs, mais de manière moins forte. Et donc, cette variation du gène s'appelle Clark Kent. Clark Kent, pour ceux qui ne voient pas la référence, qui est en fait le nom de Superman dans le comics. Mais donc, quand il est en civil, et pas quand il est avec sa cape. Et un troisième gène dans ce groupe-là, c'est le gène qui s'appelle Kryptonite. Kryptonite, c'est un minéral qui, de nouveau, dans les comics, va complètement annihiler tous les pouvoirs de Superman qui se trouve, qui devient une lavette dès qu'il est en contact avec de la kryptonite. Et en fait, le gène kryptonite est un gène qui réprime le gène Superman. Donc ça, pour moi, c'est pas un gène en particulier, mais ce que je trouve encore plus amusant, c'est quand il y a plusieurs gènes comme ça qui, l'un après l'autre, sont nommés et dont on peut potentiellement perdre le film, mais qui vaut la peine d'être mis ensemble. Alors, est-ce que je t'interromps juste, rapidement, le gène Superman, Nathanaël Prunet en a parlé dans l'émission numéro ouais. Qu'on mettra dans les notes d'émission, quand il est venu nous parler du développement des fleurs. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce gène Superman, allez écouter l'épisode de Nathanaël. C'était l'épisode 440, l'art des méristèmes avec Nathanaël Prunet. Voilà, parce qu'on a du beau monde sur les plantes à Podcast Science.
qui fait aussi des photos formidables. Donc, si vous n'avez pas vu ses photos, allez voir, parce qu'il fait de l'art et des sciences, et il fait des concours de photographie avec sa microscopie, et c'est très chouette. Et si je ne me trompe pas, il gagne des concours de photographie. Même. Oui, et il participe et il gagne. Parce que c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment beau, Scénaristem. Voilà. Donc effectivement, tu as raison. Alexa, il nous a parlé de Superman. On vous mettra le lien, pareil, de ce Tumblr de gêne. Il y a des histoires assez rigolotes et on voit que les scientifiques savent aussi s'amuser quand ils font de la biologie. Et d'ailleurs, en parlant de s'amuser, tu as aussi fait un générateur de bingo de conférences. Pour lequel j'étais très impressionnée, c'est-à-dire que tu choisis le nombre de colonnes, etc., et ça génère une petite grille de mots que tu peux cocher pendant des conférences. Oui, c'est ma plus grande réalisation. C'est ma plus grande fierté. comment ça t'est venu, l'idée de faire ça, juste si c'est pas indiscret? C'est très probablement une conférence. Et donc, c'est bingo de conférence, c'est quelque chose qu'on voit tourner. Ce sont donc les termes qui vont toujours revenir par soit les intervenants, soit les personnes qui posent des questions. Et donc, voilà. Je crois que c'était sans doute un soir à une conférence où je devais m'embêter un petit peu, ou même pendant une conférence. Allez savoir. Voilà, en tout cas, c'est parfait, ça dépannera nos prochaines conférences. Et il y a une initiative qui m'a vraiment beaucoup touchée sur ton site, c'est la section Failures. Donc, tu as un onglet échec sur ton blog, sur ton site web personnel. Et dedans, il y a une liste de journaux qui ont refusé tes papiers scientifiques, une liste de financements que tu n'as pas eu, et un best-of de citations de reviewers, ceux qui lisent les papiers et qui les évaluent quand on soumet un papier. Alors, j'en ai pris quelques exemples, parce que quand même, il y en a des beaux. Si ça ne te dérange pas, Guillaume, hein, je pense que c'est sur ton site, ça va. C'est public. C'est public, donc je les traduis, hein, parce qu'ils sont en anglais, évidemment, mais du type, la demande de financement est de raisonnablement bonne qualité. Ce qui est très violent, hein. C'est passif-agressif, mais c'est extrêmement violent comme commentaire. Je pense que ça passe encore moins bien en anglais. Y en a un autre, c'est un projet solide, mais qui manque d'ambition, voilà. Ce papier n'est ni de la recherche ni de la science. Enfin voilà, tout ça c'est assez violent. Et du coup, je me suis posé la question, pour les auditeurs, surtout comment tu gères ce genre de retour ? Parce que c'est des trucs auxquels on est souvent confronté quand on est chercheur. C'est pas tout à fait le monde des bisounours. C'est souvent on a des trucs agressifs comme ça. Comment tu gères ça ? Alors, je voudrais juste te corriger. C'est pas quelque chose auquel on est souvent confronté. C'est quelque chose auquel on est systématiquement confronté. Et je crois que tous les chercheurs y sont confrontés. Je crois que c'est quelque chose de vraiment très important à mettre en avant, c'est que les échecs en science, que ce soit sur des projets, que ce soit sur des papiers, que ce soit sur des promotions, etc., tout le monde y est confronté. Et donc quelque part, moi, l'idée ici, l'idée ne vient pas de moi. Hein, je sais plus d'où je l'avais vu, mais je l'avais vu l'idée autre part. Mais je crois que c'est vraiment très intéressant très important même de normaliser quelque part ces échecs, parce que c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est normal et ça fait partie du système dans lequel on est. Alors c'est vrai que je mets celles qui sont parfois un petit peu plus violentes ou un petit peu plus piquantes, disons, parce que au final c'est celles-là qui sont les plus marrantes. Pour la petite histoire, hein, le papier qui n'est ni de la recherche ni de la science a été publié, évidemment. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais on est tous confrontés à ce type de retour, à ce type d'évaluation, et donc c'est important de garder ça en tête. Ce qu'on va voir, particulièrement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a un biais énorme sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit, c'est « Et regardez ce super papier qui vient de sortir, que j'ai fait, duquel je suis extrêmement fier. » Ce qu'on ne sait pas, c'est que le papier, ça fait 5 ans que la personne est en train d'essayer de le faire sortir, et qu'en fait, il a été refusé dans 10 journaux différents. Et c'est normal, c'est comme ça. Et donc, je crois que pour les personnes qui rentrent en science, c'est quelque chose qu'il faut vraiment normaliser. Il faut apprendre à prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est jamais personnel, très rarement personnel. J'espère, dans mon cas, ça n'a jamais été. C'est une critique de la science en tant que telle, hein, qui peut être justifiée ou pas. Mais et donc, il faut apprendre à prendre du recul
par rapport à sa propre production scientifique. Ce qui est quelque chose d'extrêmement dur, évidemment, parce que dans sa production scientifique, que ce soit une thèse, que ce soit un papier, un projet, on met énormément d'énergie, on met de la sueur, on met énormément de choses dedans, on met nos meilleures idées dans les projets qu'on va écrire, et puis on se fait dire qu'en fait c'est un truc qui manque d'ambition ou qui est pas vraiment intéressant. Mais c'est important de pouvoir, une fois que cet exercice de création de cette production, de pouvoir prendre du recul par rapport à ça, parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué en fait. Et moi, ma manière de gérer ça, c'est de le mettre sur un site web. Et en plus de ça, je les affiche en grand dans mon bureau. Donc j'ai un mur dans mon bureau où j'ai tous ces petits commentaires. Maintenant, je suis presque déçu quand dans mes reviews je n'en ai pas, parce que du coup je ne peux pas augmenter mon mur de commentaires. Alors, je trouve que quand même, des fois, enfin, moi, j'ai subi aussi la même chose que toi, mais je trouve que quand même, de plus en plus, au niveau des éditeurs, et moi, je suis éditrice aussi maintenant, on essaye de limiter et filtrer les commentaires qui sont vraiment, comme tu dis, c'est hyper important de prendre le recul sur sa science, etc., et c'est là pour ça, mais les trucs qui sont franchement agressifs, ou non justifiés, ou méchants pour être méchants, j'ai l'impression qu'il y a quand même maintenant de plus en plus une prise de conscience de ça, que c'est pas parce que le reviewing est anonyme dans la plupart des cas qu'on peut juste s'acharner sur quelqu'un, soit parce qu'on n'a pas aimé sa science, soit pour quelque raison que ce soit d'ailleurs. On peut dire qu'on n'aime pas, mais avec des quand même un peu plus de gentillesse dans la formulation. Tout à fait. Et le but du peer review, c'est d'être constructif au final. Ouais. C'est d'améliorer en fait le papier, et donc si c'est pas constructif, et c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir un rôle d'éditeur dans un journal, et c'est vrai que ça nous est arrivé de renvoyer une review au reviewer en lui disant là c'est quand même un petit peu trash, ouais. Est-ce qu'il y a moyen de dire la même chose mais de le dire un peu différemment pour que ce soit un petit peu plus constructif, quoi, et que ce soit un petit peu moins une attaque personnelle. Donc effectivement, je crois que comme je disais, j'en ai de moins en moins, donc je suis un petit peu triste. Bah, peut-être que parler de ce genre de choses et le rendre public, du coup, ça fait un peu bouger les lignes aussi, donc c'est super bien comme initiative. Donc du coup, si tu avais un conseil à donner à des gens qui se lancent dans la science à l'heure actuelle, ce serait surtout de ne pas prendre personnellement les commentaires et de prendre du recul, c'est ça ? Oui, oui. Prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, et c'est là que c'est extrêmement dur, parce qu'en fait c'est quelque chose là, en général quand on se lance dans la recherche, c'est on fait ça par passion et on passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, on réfléchit beaucoup, c'est quelque chose qui est toujours en background dans notre esprit, et donc quand on se prend des commentaires comme ça, c'est pas facile de prendre du recul par rapport à ça. Donc peut-être moi, bon, En ligne avec ce conseil-là de prendre du recul, c'est aussi d'avoir autre chose, d'avoir d'autres passions dans la vie auxquelles on peut se raccrocher les moments où on se prend en fait ce type de rejet-là. Parce que voilà, ici on parle de commentaires qui sont un petit peu piquants, mais c'est simplement un rejet d'un papier. Même avec les commentaires les plus constructifs du monde, s'il est rejeté ou si le grain de la demande de financement est rejetée, avec les meilleurs commentaires du monde, ça fait pas plaisir. Et donc avoir quelque chose sur le côté qui permet de se raccrocher, avoir plusieurs piliers quelque part dans sa vie, que la science ne soit pas un unique pilier central sur lequel toute notre vie repose, je crois que pour moi c'est quelque chose de très important. D'autant plus que la carrière scientifique est quelque chose qui a un caractère, je dirais, aléatoire, qui est quand même assez important. Dans le sens où il y a rien à faire, pour compte, c'est une structure qui est essentiellement pyramidale. On a beaucoup de thésards, on a moins de postdocs, on a moins de personnes avec des stades permanents. Et ce serait faux de croire que en fait ceux qui ne sont pas arrivés au stade au-dessus, c'est parce qu'ils sont pas intelligents ou parce qu'ils font du mauvais boulot. C'est parce qu'en fait ils n'ont pas eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc il y a un facteur chance aussi dans l'évolution de la carrière scientifique qui est extrêmement important. Et donc de nouveau, avoir autre chose que ce pilier central, la science, qui est le seul pilier qu'on a dans notre vie, pour moi, c'est important parce que simplement dans l'évolution de carrière, il y a des chances qu'en fait, voilà, ça tourne peut-être un petit peu dans des directions qui sont un petit peu différentes.
C'est un beau message. Dédicace à tous les futurs scientifiques là-dehors qui écouteraient ce podcast. Donc on arrive à la fin de l'émission. Je suis la tradition, en fin de podcast, on a pris le pli de poser deux questions qui sont tirées du podcast Scepticisme Scientifique. La première, c'est quelle est la question que l'on te pose tout le temps et à laquelle tu t'es un peu lassé de répondre ? Ma plante est morte, pourquoi ? Voilà, je crois que c'est l'équivalent de la question aux informaticiens de « mon ordinateur ne marche pas, pourquoi ?» Voilà, ma plante est morte, je ne sais pas pourquoi. Je ne m'en lasse pas, hein, ça fait plaisir. On ne peut pas l'allumer, l'éteindre et l'allumer. Voilà, c'est ça. Ok, et quelle est la question au contraire que l'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre un jour ? C'est de me poser la question, en tant que botaniste, quel est mon repas préféré ? Et du coup, en tant que botaniste, quel est ton repas préféré ? Ben, je te remercie de me poser la question. C'est les spaghettis à la sauce tomate. Ah ah ! Voilà, les biologistes ont compris. On a mentionné les tomates plutôt dans le... Voilà, c'est pour terminer. On laisse infuser dans les oreilles des auditeurs, si vous n'avez plus la référence du stomate. Donc, c'était les petits organes qui s'ouvraient pour absorber le CO2. Tout à fait. Chez la plante et pour faire la photosynthèse. Je la connaissais pas, cette blague. Donc, merci. Eh ben, avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir transmise. On a fait toute une émission en avril l'année dernière avec toute une série de blagues scientifiques et je ne l'ai pas mise dans la liste. Donc, tu vois, pour l'année prochaine, ce sera parfait. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, pour terminer cette émission, je te propose de nous offrir ta citation, puisque tu es venu avec une citation. Et je te propose aussi qu'on fasse deviner à l'équipe d'où ça vient, comme tu m'as demandé quand on s'est parlé de l'émission. On va voir si les membres de l'équipe ont la même culture geek que toi et moi. Ah ben voilà, mais t'as déjà donné un indice pour le coup. Oui, mais c'est pour les aider. Donc je dis la citation en français ou en anglais? Je peux la dire dans les deux langues. Donc la citation originale en anglais, c'est « You step onto the road, and if you don't keep your feet, there is no knowing where you might sweep off to. » Et en français, ça donne quelque chose comme « À partir du moment où, quand tu te lances sur la route et que tu ne fais pas attention où tu vas, c'est impossible de savoir où est-ce que tu vas atterrir. » Traduit de manière... très libéral. Dans l'équipe, du coup, vous avez une idée d'où ça peut venir ? Pas d'Einstein, en tout cas. Pas d'Einstein. Ouais, alors Guillaume, c'est une blague récurrente. Il y a plein de citations attribuées à Einstein qui sont en fait pas d'Einstein, mais on en a beaucoup en fin d'émission. Bah, Aristote, alors. C'est pas non. Aristote non plus. Bah, je vais te laisser donner la réponse. C'est pas Tolkien, un truc comme ça ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est du Seigneur des Anneaux. C'est un conseil que Bilbon va dire à Frodon avant de partir. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? C'est parce que, donc, c'est une citation que moi j'avais mis dans ma thèse, en exergue au début de ma thèse, je trouve. Ça, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, peut-être ce dont on vient de parler avant, c'est de dire, en fait, en science, on sait d'où on démarre, on sait où on veut aller, mais on sait jamais où on atterrit. Que ce soit, dans la recherche pure, hein, donc, on a une hypothèse, on sait comment on va la tester, mais on sait jamais avec certitude quels sont les résultats qu'on va avoir. Et donc, tant qu'on continue à chercher, on va trouver des nouvelles choses, mais on peut pas définir à l'avance. Mais aussi en termes de carrière, je crois que c'est aussi quelque chose à garder en tête, c'est-à-dire on sait où on démarre, et puis ben, la carrière peut prendre toute une série de tours et de détours dans un peu tous les sens. Et au final, peu importe où elle nous mène. Je crois que c'est important, c'est aussi de se dire, ben, elle va nous mener là où elle va nous mener, et c'est ça qui est important, qu'il faut garder à l'esprit. Quoi. Est-ce qu'on peut dire un peu comme une racine, du coup ? Tout à fait. Oh, ça c'était beau. Oui, c'était très très beau. Ouais. L'équipe, est-ce que vous avez encore une dernière question à poser à Guillaume avant qu'on clôture ? Bah, moi, c'est complètement décalé, mais on n'a pas parlé du tout des racines aériennes, en fait. Et je me posais la question si c'était très différent d'une racine qui n'est pas aérienne.
C'est un peu tard, la question vient tard, je reconnais. Non, jamais trop tard pour une question sur les racines, évidemment. Donc oui, donc elle va, donc les mécanismes vont être similaires, donc en termes de prise d'eau, ce sont plutôt des racines qui vont prélever l'eau, alors qui vont se trouver dans l'humidité de l'air. Donc on peut penser par exemple aux orchidées qui vont avoir ce type de racines là. Elles vont avoir des structures qui vont être légèrement différentes d'un point de vue anatomique, mais ça va être le même type de, fondamentalement c'est le même type de fonctionnement qu'une racine classique. Mais je ne suis pas spécialiste des orchidées ni des racines classiques. Merci Irène, c'est une très bonne question. On fera peut-être un dossier complet sur les différents types de racines qui existent dans le monde, je sais pas. Ah mais alors ça, donc ça pourrait se prévoir. Il y a un atlas racinaire, donc il y a une chercheuse allemande qui maintenant est décédée depuis quelques années, je pense, qui a passé sa vie à creuser dans le sol pour dégager des racines et en faire des dessins extrêmement détaillés. Et cet atlas a été récemment digitalisé par l'université de Wageningen. Et donc je pourrais aussi passer le lien, mais donc qui montre en fait des dizaines, même des centaines de systèmes racinaires différents et qui montre l'extraordinaire diversité qu'on peut avoir dans les racines. Ouais, c'est hyper impressionnant. Je crois qu'il y avait eu des articles d'ailleurs. Dans les articles, il disait que c'était 40 années de travail, travail qui a commencé en 1960. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est disponible du coup sur le site de l'université. On mettra effectivement le lien dans les notes d'émission. Merci de partager ça parce que c'est vrai que c'est très très beau. Alors en général, en fin d'émission, on a aussi un quiz auquel on répond régulièrement. Là en ce moment, on est plus en train de demander des idées de quiz pour la rentrée prochaine. Donc voilà, pour un petit rappel pour les auditeurs et auditrices, si vous avez une idée de questions que vous vous êtes toujours posées mais dont vous n'avez pas la réponse ou dont la réponse vous a toujours paru un peu douteuse, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées à podcastscience@gmail.com et on en choisira une pour la rentrée et on redémarrera les quiz. On annoncera le quiz de l'été au dernier épisode qui arrive dans quelques semaines. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission totalement underground, racine, tout ça, vous avez compris. Merci encore Guillaume pour ton temps. Quelle classe, Eléa. Ouais, tu as vu, je fais des jeux de mots jusqu'au bout. Ouais. D'ailleurs, on espère que ce soir, une bribe de passion pour ces êtres fascinants aura su prendre racine en vous, si ce n'était pas déjà le cas. Et c'est sur ces blagues douteuses que se termine l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, que servir la science soit votre joie.